Ça, c'est aussi, ça reste aussi important pour vous, ou vous mettez vraiment une priorité sur le train? Je pense que le développement par le train est fatalement, je dirais, il va fatalement m'occuper beaucoup, puisque les travaux vont commencer, beaucoup d'emplois vont être créés. Il y a 600 personnes qui sont déjà pratiquement installées ici, plus celles qui vont travailler sur la ligne. Donc ça va être une chance déjà pour le Poitou-Charentes extraordinaire, cette affaire, rien que la construction. Donc, puis il y a les procédures administratives à mener à bien. Votre prédécesseur avait des relations parfois un peu chaotiques avec la présidente de région. Comment vous appréhendez-vous ce travail? Parce qu'il y a forcément besoin de travailler ensemble à un moment donné. Oui, ah oui, c'est indispensable. Il faut... Moi, j'aborde ces relations de manière très tranquille, paisible, dans un esprit pacifique. Je ne suis pas là pour... là pour travailler avec les élus dont la légitimité s'appuie sur le suffrage universel, c'est pas rien pour un préfet, donc j'aborde tranquillement ces relations qui effectivement doivent être importantes entre la préfecture de région et le conseil régional.